Le 20 mai, je prends le départ, donc je fais 26 marathons en 26 jours. Donc je pars de Québec jusqu'à Halifax et je continue de Paris jusqu'à Chartres en France, où je vais rejoindre un de mes frères qui lui compose avec une maladie du cerveau. Parce qu'effectivement, en fait, le but aussi de ce grand défi-là, c'est pour une cause, c'est pour la cause de la santé psychologique, la santé mentale. Moi, quelque part, j'ai retrouvé un peu mon bonheur, mon estime de moi, ma confiance en moi par l'activité physique. Puis, c'est ça, j'encourage justement aujourd'hui les personnes à bouger un petit peu plus. Je ne dis pas qu'il faut faire 1000 km, là, bien au contraire. Moi, je le fais parce que ça me ressemble, parce que j'en suis arrivée là dans ma vie. Mais je n'ai pas commencé par là non plus. Là, donc ce n'est pas ça que je recommande, mais je recommande de bouger régulièrement. Hein. Et donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ce message-là aussi que je veux passer. Oui, oui. Donc, le fait de dire impossible, il y a beaucoup de choses de possibles. Et donc, pour passer mon message, j'avais envie de faire quelque chose qui, comme je dis, qui me ressemble et qui puisse aider le maximum, en fait, de personnes. Donc, autant Québec, tout le Canada que en France.